arrêtez-vous. Bah c'est, si vous cherchez un... C'est voiture violette qui vient de partir. Ah non, monsieur, arrêtez-vous, détendez du véhicule. Merci, vous n'avez pas le droit de d'être sur cette voie avec un, une moto. C'est une rue piétonne, monsieur. Rue réservée aux piétons, à la limite moto et voiture derrière. Mais bah c'est une moto. Du coup, monsieur, qu'est-ce que vous faites ici? Bah là, je me balade. Au niveau magasin de masques, quelqu'un peut partir à ta poursuite. On a pu rester balader le soir. Un petit contrôle. Ouais, si vous voulez. Alors, est-ce que tu peux avoir permis et papier de véhicule? Ouais. Tac. Monsieur Martin Wood, permis moto, voiture, très bien. Attendu. Les shérifs qui sont en ville. Ah, ça va m'énerver, t'as attendu. Non, mais tiens, regarde, là, je te donne les papiers. Là. Essaye de regarder les papiers. Là. Ah, pour moi, votre véhicule, il a pas. Pas de plaque d'immatriculation, c'est pas très réglementaire. Ça. Non, ouais. Là, essaye de monter dessus, là. Je vais essayer. Voilà, ah, je bien sûr. Okay, là ouais, je suis déverrouille. Ok, t'es bon, ouais, parce qu'en fait, avec la plaque, il n'arrive pas. Bon, mais tu m'étais de battre au mécano, voir si vous pouvez mettre une plaque, parce que là, t'es pas trop réglementaire. Il n'y a pas de plaque sur les motos. Bah, sur les motos, t'es négatif, t'es, bien sûr. Mais vous êtes qui à me parler? T'es le tarif. Bah, je m'en fous, il y a pas un sage de l'addiction. Bien sûr que on a un accord, étant donné qu'on est en DEFCON. On a actuellement un accord, monsieur. Non, c'est cool. Je vous prierai de ne pas me manquer de respect. Ah, vous savez, monsieur, t'as pas par terre vite. Merci de respecter le, même un tarif qui n'est pas dans ta juridiction. Là, c'est vous qui dites. Hé, couché. Entrecroûté. Vous le respectez quand même. On a un accord dû au DEFCON. Merci. Bon, tout a l'air en règle pour vous. Je devais vous demander, du coup, de ne pas. D'essayer de trouver une plaque d'immatriculation et de ne pas rerouler ici. Pour ces deux raisons, vous êtes amendable. Oui. Très bien. 15. Ah oui. Autorisation de procéder à une fouille pour cet individu. Ah, dû au DEFCON, bien sûr, bien sûr. Attends, je m'occupe de la radio. Monsieur, mettez-vous contre le mur, je vais procéder à une fouille. Non, c'est votre collègue, pas de possible, vous non. Pardon? Écoutez, monsieur, j'ai pas de temps à perdre avec vous, donc mettez-vous contre le mur, s'il vous plaît. Vous obéissez au territoire, s'il vous plaît. Non, non, j'obéis à vous, pas au shérif. Allez, dépêchez-vous, monsieur. Monsieur, obéissez, moi ne vous fouillerai pas, t'es le territoire. Ah bah, me fouillez pas, là. Ah, t'es, monsieur, t'es le territoire. Ok, très bien, vous, monsieur, vous voulez qu'on vous embarque? Pour? Est-ce que t'es pas chez toi? Non, pour la simple occasion que vous écoutez pas aux ordres. Monsieur, vous allez obéir. On va dû procéder à une petite fouille. Pour deux raisons, vous vous situez sur un lieu de point de vente de drogue. Deuxième raison, nous sommes en DEFCON. Très bien. Vous n'avez pas à être récalcitrant du fait que un tarif veuille vous fouiller. Bah non. Vous direz à votre commandant de rajouter sur son petit papier que le shérif est arrivé en ville. C'est absolument marqué nulle part. Ah, bien sûr que si. Non, non. Ça a été annoté. Le Weasel l'a annoncé. Le Weasel, c'est un journal, c'est pas un truc gouvernemental. Même le gouvernement l'a annoncé. Non, non. Bon, écoutez, monsieur, vous ne voulez toujours pas écouter, c'est simple, on vous embarque, que vous le vouliez ou non. Alors vous préférez quoi, qu'on procède à la fouille ou bien qu'on vous embarque et qu'on vous emmène en GAV? Alors, c'est bon? Je peux procéder à la fouille, monsieur? Non, pas vous. Ok, très bien. Autorisation de l'amener au PDP 15? Bien sûr, bien sûr. Ok, très bien. Oula, monsieur. Monsieur, ne bougez pas. En plus, vous boitez, monsieur.
Monsieur, ne boudez pas. C'est rigolo. Ouais. Là, j'aime bien. Allez, on bouge plus, monsieur. On va rigoler. Allez. Attends, ouais. Alors, c'est monsieur combien? Comment, pardon? Demande de ta carte d'identité. Mathieu, vous avez une carte d'identité? Tu m'as déjà demandé. Oh non, t'as demandé ton permis tout à l'heure. C'est la même chose, ça m'a plus d'identité. Ah, ah non, t'es pas tout à fait pareil. C'est pas monsieur Wood ou quelque chose comme ça? Bah t'es monsieur Wood, mais t'étais plus okay. Comment. Bon alors, monsieur Wood, il est actuellement 20h14. Nous sommes le 23 janvier 2022. Vous êtes en état d'arrestation pour les faits suivants. Non-obéissance aux ordres du shérif et de l'agent 15. Vous avez le droit de garder le silence. Si vous renoncez à ce droit, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant une cour de justice. Vous avez le droit d'avoir un avocat. Si vous n'en avez pas les moyens, un avocat vous sera commis d'office. Vous avez également le droit à un appel, à un médecin, à manger et à boire. Avez-vous compris vos droits? Absolument pas. Très bien. Monsieur Wood, il est actuellement 20h15. Nous sommes le il va répéter 23 janvier 2022. Vous êtes en état d'arrestation pour les faits suivants. Non-obéissance aux ordres d'un membre du shérif et de l'agent 15. Alors ça, je vous ai pas le sort, mais... Bon. Ah, tout fire. Ah. Mais lâche-moi, là. Putain. J'ai trop le toit, là-haut. Pas le lâcher, bordel. Regarde ça, la scène. Je vole. Partez vite, t'es une voiture à 4x4 noir. 4x4 noir. T'es parti en 4x4 noir, t'as un individu. Et un t-shirt blanc, je peux plus voir plus. Non mais va avec eux. Oui. Mais t'es pas médecin. Hein. Bah oui, au lieu d'arrêter d'être citoyen, faites votre boulot. Parce que... Regarde-moi ça. Ah putain. Mais ils sont fous, j'ai des pare-balles, hein, ah, donc bordel, pour, mon épaule. Pour les tuer, c'est chaud. Ouais, dis. Mets-toi, attis-toi. Ouais. T'es un 4x4 noir. Vitre teintée, t'es pas vu le modèle. Plus très blanc. Mais t'étais peut-être une Audi de là où j'étais. Surtout vu l'arrière assez gros. Vadé, contrôle. Voilà. Mais tu peux rien faire avec des pistolets. Tu veux d'être menotté là ou pas? À ton avis. Non, t'étais pour être... Bon, ça m'a emmené à l'hôpital parce que là j'ai pris une balle. Ah, t'es au courant. J'avais dû te vous mettre sur le côté là. Attends, arrête sur le trottoir, et de mettre arrive. De tout, hop. Ah, en plus, il me met en face de la fusillade, très bien. Vous l'êtes vous datoire, monsieur?
Non, mais c'est ton collègue qui me les enlève, c'est lui qui les a mises. Ouais, bien sûr. Faut que je vous apprenne votre boulot aussi. Commentez pas, par contre, Mathieu. Répétez. Mon individu a pris plusieurs balles, s'il passe pas aux EMS, je comprends rien. T'as lu. Bah, du coup, il se fait tirer dessus. De Mathieu? Ouais, de Mathieu. Ok, Mathieu. Bah, je me fais arrêter les filles qui me tirent dessus. C'est pas les filles qui m'ont tiré dessus. Si, si. C'est pas nous. Non, c'est si, si, c'est vos collègues qui m'ont tiré dessus. J'allais porter plainte après. Il y a plusieurs témoins pour dire que c'est pas nous. Non, tu peux pas, oh mon dieu! Bon, faut que la merde un peu pour qu'il y ait un peu d'ambiance parce que. Oui? De monsieur. Fait tirer dessus là, monsieur. Non, il y a les flics qui me tirent dessus alors que je suis arrêté. Putain, allez, on embarque, viens avec moi. C'est faux, il n'a pas été tout seul. C'est un individu de retour avec la tête. Ah. Allez, tous dans l'ambu. Je peux marcher, monsieur, je me suis pris une balle dans l'épaule. Ah, ok, pas tout de suite, attendez. Excusez-moi. Non, pas de soucis. Attends, je vais juste regarder. Le gouvernement, ça n'a rien à voir avec le RP. Hein. C'est quoi, c'est dans l'annonce? Je vais mettre un mardi. Ok, ça marche. Ok, ça marche. Vas-y, à tout. Bon, il me casse les couilles là. Ouf, j'ai rien à me reprocher. Ouais. Mais 35, c'est bon. Mais en fait, on a. Non. Bon, monsieur. Non, c'est que. Ils me disent, oui, c'est le shérif, il a le droit d'exercer en ville, etc. C'est marqué, le gouvernement, je sais pas quoi, c'est marqué nulle part leur truc. Ah, ouais, d'accord. Donc, ils vont se faire enculer bien profond et voilà. Vas-y, bah, je vais arriver là. Bien, on va dire. Mais ça marche. Disquette. Amako, fais attention, BCSO, c'est pas le même que la LSPD. C'est des contrats différents. Il y en a un juste en dessous. Ah oui, non, attends, j'ai pas fait. Attends. Bon, monsieur, vous venez avec moi. Ouais. Saute, Martin. Oh vache, mes yeux, là, ça fait mal aux yeux. Je vais rien dire, ils m'ont pas limé droit. Ah putain, il y en a encore un autre. J'arrive. Il y en a encore un autre, c'est le même. On va attendre 35 et puis on y va. Oui. Un autre. Bjorn, descends. Oui, tu descends, t'es chiant. Oui, t'es chiant. Comment ça? Oui, t'es chiant. Bah, oui, t'es chiant. T'es aussi chiant que les chiens. Hein? 15 à 35, on t'attend devant l'hôpital.
Ouais, allô. Bon, là, je suis dans la voiture de flic. Monsieur, déposez votre téléphone, s'il vous plaît. De toute façon, ils vont te relâcher vite, hein. Ah, oui, oui. Tu peux aller lui enlever, parce que si c'est moi, il va encore dire de la merde. Monsieur, détendez du véhicule, s'il vous plaît. Donnez-moi votre téléphone et si vous avez le droit de tuer. Merci. C'est quoi? À 54. Mais hello, qu'est-ce qu'il y a encore là? Ouais. C'est moi ou tu lui as pris son téléphone? Mais ouais, je suis avec un compte shérif encore. Mais non, mais t'as pris ton téléphone. Monsieur. Monsieur, wow. Mais t'es pris. Monsieur, ce genre de personne. Vous avez pas de bol, j'ai fait seulement d'être au téléphone, bande de cons. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, tu perds. Il a dit quoi? On peut même plus parler tout seul. Eh, hey, poussez-vous là! Faut chier à se garer là, c'est con. Je reste au calme. On va voir là-bas. Ouais, ouais. Trop facile. Ah, tout aurait pu bien, bien se passer, monsieur. Hein. C'est pas dans le nord que vous êtes, vous les shérifs? Vous, vous êtes en ville. Lors du DEFCON, on a un accord avec la LSPD pour descendre. Ouais, donc c'est accord à LSPD, c'est pas accord gouvernemental. Parce que je me balade en moto et que je voulais pas me laisser fouiller par le shérif. Voilà. Parce qu'il y a... Bah c'est bien, ça veut dire que vous vous soumettez à la LSPD alors. Aucunement marqué quelque part... plus que c'était, hein. Aucunement marqué quelque part que le shérif a le droit d'exercer en ville. Vous êtes bien du Nord, non? Hein, il a refusé de coopérer à la fouille. Ça, c'est son. Je sais plus ce qu'il a sorti. C'est pas un refus d'obtempérer, c'est un refus d'acceptation de la fouille de la part d'un agent du shérif. Ah, c'est encore des bons, ça. Tiens, tu peux revenir au véhicule, s'il te plaît. J'ai peur, j'ai peur! Et il me laisse dans la bagnole pendant 10 heures là. Mais c'est... Non, il je pensais mieux pour... Ouais, oh, carrément, il a connu. Garage. En fait, c'est peut-être... Eh, doucement, mais... Ouais, je partais d'ici. Ouais, il y a un mec derrière. Ouais, par contre, vous bloquez le garage. Ils sont embarqués. Eh, bonne chance, mon ref. Hein. Et l'autre, il lui dit rien. C'est... c'est quoi ça encore? Des femmes, je vous jure, ça accro. Oh bah là. Si je veux faire la boucle à relou, les vis de procédure, il y en a un paquet là. Heureusement que je suis pas un avocat relou. Vous l'avez arrêté? Lui, derrière. Ah oui, bien sûr. Il l'a arrêté pourquoi? Au fait d'obtempérer.
Allez, à tout à bord. Il est où 35? 35, t'es où? Oh, le bolos. T'es perdu dans l'hôpital. Une fois au PDP, moi je vais. Ouais, bien sûr, bien sûr. Je vais faire une pause parce que là j'ai une overdose d'abruti. Pas touti. Merci les gars. Ouais, t'es carton dans ton ordre de merde. Hein? Mathieu, bah répondez. Bonsoir, attendez, t'es en train de parler avec le Mathieu qui est exaspérant. C'est vous qui êtes exaspérant? Ah non, Mathieu, on voulait vos droits. On... Il y a eu des coups de feu, on était de vous tauver. Mais bah alors, attendez, vous me tirez dessus déjà. On était de vous tauver d'une situation. Ah oui, c'est vrai que le mec se met derrière moi, c'est vrai qu'il a essayé de me sauver, ouais. Mais qui? Qui? Ah, le chien qui se met derrière moi pour te protéger, ouais, c'est vraiment... Il pas protéger. Mis derrière moi, il a essayé de vous protéger. Non. C'est moi qui ai pris les balles à sa place. Bien sûr que non. Hein. Les balles de qui? Les balles de qui? Ah, de vos collègues? De l'individu sur le toit, non? De l'individu non, sur de vos le collègues. Toit. Y a aucun collègue à part moi qui était derrière qui a tiré. Y a moi et 31 qui avait un taser. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas cohérent ce que vous racontez. Ouais, c'est ça. Ah oui. T'es l'individu sur le toit qui vous a tiré. Donc j'espère pour vous que t'es pas un de vos collègues. Parce que t'as très vastement cocasse quand même. Vous comprenez? Bref, je parle de collège que tout le monde. Ouais, faut être plus fort que tout le monde. Ah oui, exactement. Il veut être trop lourd, je vais être trop lourd. Ah tiens. Okay. Au final, j'ai gagné. Hein. Ah c'est relou de faire l'avocat. Hein. Je lui accorde totalement, mais. Merci. Faut juste. Donc toutes les pistolets à prendre. Oh, je vous dis même pas. Et si t'en rends pas compte eux-mêmes. En tout cas, bien sûr, vous avez des connaissances que personne d'autre n'a été, connaissez mieux que tout le monde. Donc la prochaine fois, d'être pas que de vous sope pas pour un délit, parce que je vous jure que de vous allume. Bien sûr, on rigolera. Je vous souhaite une bonne soirée. Bien sûr.